Ça marche? Ça marche. Vous êtes en place, c'est bon? Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut français. Désolé de lire du papier, parce que là, je suis complètement. Alors, merci d'être venu à cette rencontre dans le cadre de Novembre numérique et du cycle e-débat, qui va se passer autour de l'entrepreneuriat digital en Tunisie. Donc, comme vous le savez, à l'Institut français, le mois de novembre est dédié aux cultures numériques. Donc, plusieurs rendez-vous sont à inscrire dans vos agendas. Soirée-concert intercale, une performance électro-littéraire, une battle de booktubeurs, des ateliers et aussi un espace VR que vous pouvez observer à l'accueil de l'Institut français et qui est ouvert, que vous pouvez visiter en semaine. Bonsoir. Merci à Camille Jtiwi, Hassan Al-Forqani, Sherine Lakhtar et Mohamed Ali Mideni justement d'avoir accepté mon invitation de venir partager vos différentes expériences. Merci aussi à Wafa Belkacem d'avoir accepté de modérer le débat. Bonne soirée. N'hésitez pas à leur poser des questions. Encore une fois, merci à tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Un petit détail, c'est que cette session, ce débat, il est en live streaming sur Facebook, donc vous pouvez partager l'information à travers vos réseaux. Je recadre le cadre dans lequel on se rencontre aujourd'hui. C'est pour que ces jeunes entrepreneurs, jeunes dans l'âge, mais pas dans l'expérience, qui viendront partager avec nous leur expérience en tant qu'entrepreneurs dans le digital. Donc, je vais commencer très rapidement par présenter les entreprises des uns et des autres. Mais vous prendrez tout à l'heure après la parole pour ajouter si j'ai un petit oubli ou une précision. Donc je commence par Camilia qui est à côté de nous, qui est la fondatrice d'UMDAZ Concept Store, une entreprise qui a été créée en 2014. Et là, Camilia, tu check tous les positive boxes que je connais, commençant par ton prénom qui est le prénom de ma fille, mais aussi une entreprise qui est dans le conceptualisation dans l'art, dans le design que j'adore, mais surtout que tu es la cofondatrice, c'est-à-dire que votre entreprise elle est 100% women-led, n'est-ce pas? C'est trois femmes fondatrices, donc félicitations. Après, je vous présente Hassan El-Forqani, qui est le fondateur et le managing director de Info Challenge, qui est une agence digitale qui existe depuis à peu près... Vous êtes le vétéran de ceux qui sont là. Vous existez depuis 2005. Et vous êtes le fondateur, le monsieur qui fait tout. C'est excellent, c'est vraiment chapeau, parce qu'on sait ce que ça veut dire de lancer une entreprise dans le contexte actuel. Ensuite, on a Sherine Lakhdar, qui est la cofondatrice. Alors, la maison mère, elle s'appelle Hervé. Vous êtes spécialisée dans le VR and ER. Et vous êtes sur le point de lancer votre filiale ici en Tunisie sous le label de Ajar. Donc, vraiment, chapeau, vous êtes dans l'expansion phase, qui est aussi, vous pourrez aussi nous partager avec nous cette expérience de l'expansion qui est très intéressante. Et vous existez donc depuis 2016. Et vous êtes la seule femme parmi entre trois hommes. Donc, ça ne va pas être facile. Ou tu peux aussi partager avec nous le leadership féminin dans un contexte majoritairement masculin. En dernier, mais pas least not the last, the last not the least, pardon, Mohamed Ali Mideni, qui est le fondateur de Digital Cultural Experience, une entreprise qui est spécialisée dans la virtual représentation de patrimoine, héritage, mise en valeur. Vous existez depuis, vous avez été créé en 2017 et vous commencez à lancer vos produits, n'est-ce pas?
Donc, ce qu'on voudrait, je pense, moi, en tant que jeune aussi, beaucoup plus jeune que vous dans le monde de l'entrepreneuriat, ce serait très intéressant de nous parler d'abord avec les challenges que vous avez rencontrés. Quand on se lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat digital en Tunisie, quelles sont les principales choses auxquelles on devrait, en tant qu'entrepreneur, faire attention, les petites erreurs qu'on pourrait éviter tout simplement en écoutant le témoignage de quelqu'un qui est passé par là en avant. Et pareil aussi, si vous voulez exprimer un message à transmettre pour comment mieux adapter ou comment soutenir l'écosystème qui serait plus favorable à un jeune entrepreneur aujourd'hui. On commence par Amidan. Ok. Ok, merci. Donc, Hamdali Mideni, la boîte Digital Cultural Experience existe officiellement depuis avril 2018, mais nous travaillons sur notre premier produit depuis plus d'un an. Donc, en fait, c'est ma deuxième expérience entrepreneuriale. Donc, j'ai essayé, en 2012, j'ai ouvert une première société qui était spécialisée dans le marketing digital. La difficulté, si vous voulez, que je rencontre encore aujourd'hui et qu'on rencontre souvent dans le digital, et peut-être vous êtes aussi peut-être confronté à ce problème, c'est le modèle économique. Donc, on a souvent de très très bonnes idées, en fait, on croit avoir de bonnes idées en tous les cas, et toute la difficulté, c'est comment transformer une idée en business, en cash machine. Comment transformer les dizaines de milliers de fans sur Facebook, qu'on est très content d'avoir. Parle un peu plus fort. Ok, merci pour la discrétion. Bon, je recommence depuis le début. Non, je rigole. Ça va, ça marche? Ok, super. Donc, comment transformer une idée en cash? Comment transformer des dizaines de milliers de fans sur notre page Facebook? On est super content de les avoir, on dit super, on est sur un truc, on va gagner beaucoup d'argent. Mais après, on a 100 000 fans sur la page Facebook, mais ça ne veut pas dire qu'on a un client. Voilà. Donc, c'est ça les difficultés que j'ai rencontrées personnellement déjà lors de la première expérience. C'était comment transformer ce concept donc en cash. Par contre, bon, ce qui était très bien, c'est que ça nous a servi aussi comme vitrine. Ce produit-là, ce premier prototype qu'on avait créé, c'était en fait, en deux mots, c'était un site d'actualité autour du marketing en fait. On écrivait sur les meilleures actions marketing, comment toutes les actions de sensibilisation, toutes les actions intelligentes dans le marketing. Et on a trouvé, en fait, on avait pas mal de lecteurs, 5000 en moyenne par jour, ce qui était pas mal pour un blog de niche. Mais pour transformer ça donc en cash, ce n'était pas évident. Par contre, lorsqu'on allait rencontrer des directeurs marketing, etc., ils nous connaissaient déjà, ils aimaient ce qu'on faisait et ça nous a permis de faire de la presta. Donc la presta, ça fait partie du modèle économique d'énormément de boîtes, de start-up qui sont dans le digital. On n'arrive pas à monétiser notre produit, donc on se fait à faire de la prestation de service. Voilà. Donc, et ça soutient, ça permet de continuer le projet, ça permet de développer le produit, ça permet de faire survivre l'entreprise. Donc c'est ça toute la difficulté et tout le challenge des startups. Donc aujourd'hui, je suis sur un autre projet qui est le Digital Cultural Experience. Donc en fait, notre vision, en fait, c'est d'essayer de rendre notre patrimoine un peu plus attractif pour les jeunes. Et on utilise un peu donc les nouvelles technologies, réalité virtuelle et réalité augmentée, avec du storytelling et avec un peu de gamification pour créer des expériences culturelles immersives. Et donc notre premier produit, c'est une découverte de Carthage, telle qu'elle était au IIe siècle avant Jésus-Christ, en réalité virtuelle.
Donc vous mettez les casques et vous êtes propulsé au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Vous allez découvrir quelques sites, quelques espaces comme ils étaient. Donc là, ces espaces n'existent plus, hein, comme le port militaire, le fameux port militaire punique. Par contre, quand vous mettez le casque, vous les voyez comme si vous y étiez, mais en plus, vous allez trouver Hannibal en train de vous raconter l'intelligence militaire qui était dans ce site, la force des trirèmes, les fameux bateaux carthaginois, et toute la force militaire carthaginoise. Voilà. Donc ça, c'est un petit aperçu sur l'entreprise. Et sur donc, le challenge, encore une fois maintenant, c'est le modèle économique, comment rentabiliser ce produit-là. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Chéline Nartel, donc cofondatrice de la société Hervé. Donc Hervé est une agence de communication dédiée aux technologies immersives, donc VR, AR, XR. Pour faire un résumé un peu de ce qu'est Hervé aujourd'hui, Hervé c'est une cinquantaine de clients maintenant, 2 ans, une cinquantaine d'événements et de contenus produits également, c'est 10 pays également, on travaille avec à l'international à l'heure actuelle. Je pense qu'on a dû brasser environ 20 000 personnes en évangélisant avec la réalité virtuelle, montrant des contenus. Et c'est aussi un portefeuille de partenaires, créateurs, réalisateurs, auteurs avec lesquels nous travaillons et que nous mettons à disposition de tous ces clients selon les projets et lorsque la réalité virtuelle et les technologies immersives sont pertinentes. Je pense que le plus gros challenge pour nous, en tout cas en France il y a 2 ans, c'était que le marché effectivement n'est pas très clair. Donc on adresse plusieurs offres dès le départ, ce qui peut être perçu un peu comme une sorte de dispersement à un moment, mais le marché n'étant pas clair, on a voulu un peu attaquer côté prod événement, prod contenu, développement de logiciels, et selon les demandes et les besoins qu'on identifiait, on fonçait avec une de ces offres. Mais en tout cas, au fur et à mesure de nos partenariats et de nos différentes productions, on a identifié petit à petit les besoins potentiels de ces clients, que ce soit en termes de mise en valeur des expériences. Donc on a travaillé toute une partie d'accompagnement des producteurs de contenu pour mettre en avant leurs expériences, que ce soit par de la scénographie, de la location de matériel, de la curation de contenu également, comme on le fait actuellement pour l'Institut français d'ailleurs, dans le hall d'accueil. Et donc le challenge, ce fut vraiment de cibler quel allait être le pendant de notre activité qui allait être le plus porteur. À l'heure actuelle, on continue à surfer entre ces différents pendants et ça se passe plutôt pas mal. Mon expérience en Tunisie est toute jeune. Elle a commencé l'année dernière suite à une rencontre d'ailleurs. Nous avons rencontré à l'occasion des ateliers de l'Institut français Sophie Renaud, la directrice de l'IFT, qui nous a totalement embarqué dans son envie de numérique et d'intégrer des nouvelles technologies au sein de l'IFT. Et elle nous a donné l'opportunité de l'accompagner sur la première édition du Panorama VR, ce qui a été génial. Et ça a retenu notre attention parce que à partir de là, on a noté que le jeune public tunisien, et pas jeune non plus d'ailleurs, était assez curieux et avait envie d'en voir plus, de tester que ce soit des contenus interactifs, linéaires. Donc on a souhaité pousser un peu et élargir nos horizons. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Bonsoir. Hassan Al-Forqani, j'ai créé l'agence Info Challenge en 2005. C'est une agence digitale. Une agence digitale, c'est une entreprise qui aide les institutions, les entreprises et les personnes à mieux communiquer sur Internet, en gros. Donc on est amené à faire du conseil, mais aussi à faire de la création de contenu. On fait aussi de l'optimisation sur les réseaux sociaux. On fait du suivi day-to-day, on fait de l'analyse de résultats, etc. Donc je suis, par rapport à mes collègues, plus une boîte à outils qu'un concept de vente ou de contenu pur.
InfoChallenge donc existe depuis 13 ans. C'est une entreprise qui a un peu roulé sa bosse, qui est un peu connue sur la place ici à Tunis, qui a eu des clients plutôt importants en taille. On a eu aussi beaucoup d'awards. Mais je n'ai pas vraiment envie de vous parler d'InfoChallenge parce que je suppose que dans la salle, il y a des jeunes qui sont tentés par l'aventure. Donc moi, j'ai plutôt envie de vous parler de mes échecs. Parce que je pense que ce qui a fait le succès de mon entreprise actuelle, ce sont les deux précédentes qui ont échoué lamentablement. Et je pense aussi qu'il y a un frein à l'investissement et à l'entrepreneuriat en Tunisie chez les jeunes, parce que ce n'est pas dans notre culture, c'est la peur de l'échec. Donc moi, je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui vous permettront aussi de voir à quel point la Tunisie a changé et l'écosystème a changé, mais d'une manière radicale. Je sais qu'encore aujourd'hui, on est nombreux à se plaindre de tous les freins à l'entrepreneuriat dans le digital en Tunisie, notamment les questions de paiement à l'étranger, etc., etc. La liste des plaintes est longue et très légitime. Mais alors, si je vous raconte ce que j'ai vécu moi en 2001 ou en 2003, vous allez vous dire, waouh, le chemin parcouru est quand même exceptionnel. Ma première entreprise, moi j'étais salarié d'abord, dès l'an 2000, dans une agence, dans une web agency, on appelait ça web agency à l'époque. Digital, c'est venu il y a quelques années, pour brouiller les pistes un peu. Et donc j'ai décidé de me lancer, c'était l'époque des startups, des portails. Donc j'ai démissionné et j'ai créé un portail qui s'appelait warmafrica.com. C'est un portail anglophone africain. Donc je l'ai créé dans ma chambre, avec un vieux PC, à l'époque c'était un Pentium. Il fallait se connecter en dial-up, donc le fameux bruit, là, vous vous souvenez peut-être de ça. Il y en a certains parmi vous qui n'ont pas connu ça, je pense. Et j'ai tout fait tout seul, j'ai tout appris, j'ai appris à développer, j'avais un ami qui était graphiste, etc. J'ai fini par mettre en ligne ce fameux site pour ensuite me dire, en anglais, « now what ?» Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on fait absolument rien du tout, parce que l'idée qui était vendue à l'époque aux jeunes, c'était créer votre start-up, les gens qui ont une idée, ils l'écrivent sur un bout de papier, puis ils créent un site, et hop, tout le monde va venir le visiter, et puis vous allez gagner des milliards de dollars. Et en fait, ce n'est vraiment pas ça du tout. Donc ce site-là, évidemment, il a continué à exister. Il a fait un peu de revenus. D'ailleurs, pour revenir sur l'écosystème, je faisais des pubs AdWords sur le site. Donc c'est des pubs de Google, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, ça fonctionne de manière automatisée. On place un code sur le site. Et une fois qu'on a gagné 100 dollars, Google vous envoie un chèque. Ça a été l'occasion pour moi d'une première visite au ministère de l'Intérieur, parce que j'ai déposé un chèque venant de Google où il y avait 140 dollars à l'époque. Et donc une semaine après, j'ai eu une convocation et j'ai passé une belle journée à répondre à des questions du style « qui vous envoie cet argent ?»« D'où vous connaissez Google ?» C'était surréaliste, quoi. Donc on était à l'époque, moi et mes amis qui avaient aussi d'autres start-up entre guillemets, on était complètement hors du temps, hors du temps. Et l'idée de monter une entreprise dans le digital en 2001, dans 2002, si ce n'était pas dans le cadre d'une initiative entre guillemets publique, privée ou bien pistonnée, vous étiez un extraterrestre, quoi. Donc là, ça a été un premier échec retentissant. J'ai dû reprendre l'emploi que j'avais dans la même agence, et j'ai tenu encore 6 mois, j'ai redémissionné, et là c'était pire parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit je vais faire ce que font mes employeurs. J'avais pas beaucoup d'argent, j'ai loué une boutique dans un centre commercial complètement mort, il est toujours mort encore aujourd'hui. Et parce que ça coûtait pas cher, c'était 180 dinars par mois. C'est des petits détails, je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça. Et le jour où j'ai installé un ordinateur, une table, il y avait une grande vitrine, c'était ridicule derrière la vitrine d'ailleurs. Paf, deux personnes foncent dans la boutique et me disent « contrôle fiscal ».
contrôle fiscal. J'ai même pas ouvert, madame, de quoi vous parlez. Oui, vous êtes là, il y a une activité, l'ordinateur. Madame, j'ai pas ouvert. Donc là, je lui montre la demande que j'ai faite. Et c'est ce qui m'a permis de me sortir de cet épisode-là. Ensuite, re-ministère de l'Intérieur, parce que je suis à moitié marocain. À l'époque, j'étais 100% marocain. Je vivais sur une carte de séjour. Et donc, reconvocation, pourquoi vous ouvrez cette entreprise ? Qu'est-ce que vous voulez dire par service Internet ? Internet, c'était dangereux, on était en dictature à l'époque, donc ce n'était pas de la blague. Et rejourner au ministère de l'Intérieur, etc. etc. J'ai eu un seul client dans cette deuxième tentative. Ce n'était pas n'importe qui, c'était M. Anwar Braham, qui est un musicien fameux, pour qui j'ai fait un CD-ROM. Mais pour couvrir des charges de 8 mois, c'était très insuffisant. Donc j'ai refermé. Et je suis resté chez moi peut-être un an à vivoter, à faire du freelance, à développer des petites choses de temps en temps, jusqu'à ce qu'arrive la première grosse opportunité. C'était la création du site de la première radio en Tunisie. Et c'est ce qui m'a permis progressivement de créer Info Challenge. Voilà. Tout ça a duré, la galère a duré à peu près 3 ans. La suite n'était pas rose tout de suite non plus. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez des banques qui financent, vous avez des écosystèmes, vous avez des labs, vous avez des incubateurs, vous avez des médias qui en parlent à profusion, vous avez dans les universités des groupes d'entrepreneuriat, des groupes qui vous parlent de nouvelles technologies, etc., etc., etc. Et vous avez beaucoup d'expériences passées, des échecs comme des réussites. Donc je pense que ceux qui ont la fibre entrepreneuriale, parce que c'est vraiment une question très personnelle, ce n'est pas du tout une question d'opportunité ou de menace. On peut très bien vivre en tant que salarié. On peut parfois gagner beaucoup plus d'argent en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. Mais c'est une question de personnalité, de caractère. Donc voilà, moi, l'idée c'est de vous dire où on en était il y a 10 ans, 15 ans, où on en est aujourd'hui. Et je pense que là, tous ceux qui ont une belle idée, même s'ils ne sont pas sûrs que ça va marcher, il faut y aller, il faut foncer, il faut échouer au maximum, parce que c'est ce qui fera que par la suite, vous allez réussir quelque chose. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Camille Yachtioui, je vais me présenter, au fait je suis dans le e-commerce depuis maintenant 7 ans. J'ai commencé en 2011, juste après la révolution. Avant cela, j'étais salariée, pour rebondir sur ce que disait Hassan. Oui, il a totalement raison surtout. Moi j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2004 dans le marketing, en étant entrepreneuse dans l'âme. Résultat, en 8 ans, j'ai fait 10 boîtes, 10 sociétés, en me faisant virer la moitié du temps. Électron libre, c'est ce qu'on me disait tout le temps. Mais c'est normal, j'étais réellement un électron libre. Mais jusque-là, tout le monde me disait, lance-toi dans l'entrepreneuriat, c'est ton truc, etc. Mais moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je n'aimais pas le côté dictature, je n'aimais pas tout cet environnement, Ça ne m'inspirait pas. Pas confiance, clairement. 2011, révolution oblige. Là, je me suis dit, il est temps, on se lance. Sauf que j'avais 8 ans d'expérience dans le marketing, dans la communication. Lancer un projet dans une énième agence de com, c'était pas une bonne idée. Une boîte de conseil en marketing, il n'y avait pas la demande. Et puis, j'ai commencé à chercher. Et là, je me suis dit, le e-commerce. Pourquoi ça se développe au Maroc et pas en Tunisie ? Et effectivement, en 2011, le e-commerce au Maroc cartonnait, alors qu'en Tunisie, on en était encore à se dire, oui, le e-commerce, les gens n'achèteront jamais en ligne, les Tunisiens veulent toucher, veulent essayer, veulent. Et moi, j'étais là, je me disais, non. Il y avait un petit peu le côté toujours fibre patriotique. Oh, le Maroc ? Tunisie ? Non. No way. On doit les dépasser. C'est pas possible. Et en même temps, je trouvais que le e-commerce, j'étais sûre que le e-commerce était l'avenir. Et j'ai commencé à travailler mon projet. Concours de circonstances, bonne fortune, on va dire.
j'ai rencontré celui qui allait devenir par la suite mon associé, un Français, pendant le premier salon du e-commerce de Tunis. Et on a accroché. Il voulait aussi lancer un site de e-commerce en Tunisie, mais il cherchait quelqu'un pour gérer l'activité. Moi, je cherchais un investisseur pour mon projet. Et on s'est dit, on y va. Bien sûr, tout le monde, tous mes amis, tout le monde m'a dit, laisse tomber le e-commerce, ça ne marche pas, fais autre chose, c'est trop risqué, etc. Mais moi, j'y croyais à fond à cette idée. Et on a lancé, début 2012, le premier site qui était venteprivée.tn. Comme son nom l'indique, c'était un site de vente privée. On a galéré. Pour vous dire clairement, on a galéré les premiers mois. Personne, les marques ne savaient pas ce qu'était le e-commerce, fallait les éduquer à ça. L'équipe, on avait du mal à recruter des gens qui étaient compétents ou qui avaient un potentiel e-commerce, sans parler des prestataires. En fait, on a essayé de former tout le monde en même temps, y compris les acheteurs. 6 mois après, ça a cartonné. Je pourrais pas vous dire comment ça, pourquoi 6 mois exactement, pourquoi pas 5. Ce qui est sûr, c'est que pendant les 6 premiers mois, on a travaillé comme des dingues, en faisant presque aucune vente. On voyait les chiffres, on voyait plus de zéro que de chiffres, de quoi vraiment déprimer. Mais on y tenait et on s'est accroché et ça a marché. Et à partir de là, en fait, on a un petit peu montré la voie. Pas tout seul, il y avait 2 autres sites, principalement un autre site qui était plutôt dans les services. Nous, on était sur la vente de produits, mais on a été les 2 à montrer la voie. Donc, à partir de là, il y a eu le premier site qui a marché qui a très bien marché. Et puis, on a eu 2013, la crise en Tunisie, les assassinats politiques, les Bardo 1, 2, etc. Mon associé français a un petit peu paniqué, beaucoup paniqué. Donc, décision de changer de business model pour aller vers un business model plus sûr. On a lancé un deuxième site, Happy Street, qui était sympa, qui a aussi bien marché. Pas autant que vente privée, mais ça avait quand même bien marché. Et à partir de là, je me suis lancée. Je suis restée dans le e-commerce, c'est ma passion. Là, aujourd'hui, 7 ans plus tard, j'en suis à mon 3e site propre, mais j'ai accompagné plusieurs sociétés pour lancer leur propre site e-commerce. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Mads. Mads.shop, c'était à la base un concept store. Et c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, depuis vraiment très longtemps, depuis plus de 30 ans. Je ne vais pas vous dire mon âge, mais voilà, plus de 30 ans que j'avais cette idée en tête de repenser la mode, en fait, de repenser la manière de consommer la mode. Je n'ai jamais adhéré au concept de masse consommation, je n'ai jamais spécialement adhéré non plus au concept de luxe, mais j'ai toujours pensé que, surtout ici en Tunisie, avec les fripes, avec les friperies, avec les marchés vintage, on va dire, il y a toujours moyen de réutiliser quelque chose. Et en même temps, on fait un énorme geste pour la planète. Parce que... Qu'est-ce que je t'avais dit tout à l'heure? J'avais oublié. On recycle, voilà. Deuxième fois que je fais le pitch. Donc voilà, je voulais aller dans cette idée-là. Et bien sûr, de développer ça en ligne. Parce qu'aujourd'hui... Mes différentes expériences dans le e-commerce m'ont montré que, de un, on est capable de faire beaucoup plus de chiffres d'affaires en ligne que dans les boutiques physiques, à condition de bien le faire. Ce n'est pas évident, c'est énormément de travail, beaucoup, beaucoup de challenges, beaucoup d'erreurs, beaucoup de risques. Si tu nous parles un petit peu plus des erreurs et de risques. Oui, je vais vous parler. Ah, les erreurs, il y en a plein. Non, mais les erreurs, au fait, c'est un petit peu tout ce qu'ont dit mes collègues avant moi. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit. Moi, je vais plutôt vous parler de ne pas baisser les bras. Parce que les échecs, vous allez en avoir. Des erreurs, vous allez en faire. Que vous soyez novice, débutant ou confirmé, que vous soyez jeune diplômé ou avec 20 ou 30 ans de carrière derrière vous, les erreurs sont inévitables, surtout dans l'entrepreneuriat. Le maître mot,
et là, je suis certainement pas la première à le dire, mais c'est la persévérance. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon, mais en même temps, il faut apprendre à ne pas s'accrocher. Moi, je pense que les deux principales erreurs des entrepreneurs, qu'ils soient tunisiens ou autres, c'est de, un, baisser les bras trop vite, et la deuxième chose, c'est de ne pas baisser les bras, de s'accrocher coûte que coûte, et parfois il faut savoir dire stop quand un projet ne marche pas, quand le cash n'est pas là. L'idée peut être bonne, mais parfois l'idée peut être trop en avance sur son temps. Peut-être qu'il va falloir attendre quelques années avant de relancer la même idée. Moi, je reprends un petit peu mon dernier projet, Mads. C'est un projet que j'ai lancé en 2014. J'étais hyper convaincue par mon idée. La mode, le vintage, les créateurs, l'outlet, un concept assez entre féministe, rock'n'roll, tout ce que j'aimais moi, je l'ai repris dans mon projet. Les gens adoraient, les visiteurs adoraient, les fans sur notre page Facebook, sur Instagram, tout le monde adore notre communication, adore ce qu'on dit, adore nos produits, mais ils n'achètent pas. Et ça, c'est un problème. Quand les gens n'achètent pas, ben, en fait, comment maintenir un projet en selle? Et à un moment, il a fallu que j'arrête. Et j'ai pris une pause qui était inévitable. J'ai pris quelques mois de pause. Presque, pas quelques mois, presque un an de pause. Et c'était cette année qu'il me fallait, d'un côté... Je suis redevenue salariée parce que j'avais besoin d'argent. Ça, malheureusement, ça fait partie du parcours de l'entrepreneur. Parfois, il faut savoir revenir en société, revenir salarié, ne pas avoir peur, ne pas prendre ça comme un échec ou comme... C'est pas mauvais, au fait. Même l'échec, on disait Hassan tout à l'heure, je pense que l'échec en soi, c'est pas négatif, c'est on apprend de l'échec. Exactement. Merci d'avoir rebondi sur la question du pioneering, d'être pionnier, parce que vous étiez dans les deux. Et ça, j'essaye de reprendre dans chaque intervention un point qu'on pourrait développer un petit peu. Donc, la question d'être un pioneering, comme toi, tu étais un peu en avance sur le marché, donc t'as sur déjà l'écosystème en soi. Donc, ça aussi, c'est un des challenges, je pense, que rencontre tout entrepreneur qui commence avec son idée. Il faudra... L'équilibre est très fin, la ligne, elle est vraiment très fine entre être... un petit peu en avance, se positionner et être trop en avance ou lancer un produit, comme tu dis toi, à un moment donné, il fallait s'arrêter et dire, bon, bah, et on connaît hein, dans l'histoire de l'entrepreneuriat, je prends Bic, certains produits Bic même qui étaient très en avance et qu'ils sont plantés, ça on étudie ça comme un cas d'école, là, c'est un vrai exemple d'être trop en avance aussi. Donc, si tu peux nous développer un petit peu plus sur le pioneering risque. Alors, moi, je vais juste rajouter quelque chose à ce que vous avez dit, parce que vous avez tout dit, en fait. Le souci, je pense, pour certains entrepreneurs en Tunisie, c'est qu'ils se nourrissent d'expériences d'ailleurs. Donc, ils sont un peu tous branchés sur ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en France, etc., etc., etc. Et ils se mettent à apprendre et à maîtriser les technologies, les techniques marketing, etc. Ils se nourrissent de cette culture-là, occidentale. Et le problème qui se pose après cette phase-là, c'est qu'on se retrouve sur un marché tunisien, si vous êtes sur le marché tunisien, qui, au fait, ne répond pas du tout au même principe. Ça n'a absolument rien à voir avec la théorie, ni même avec les cases que vous pouvez étudier sur ce qui se passe par ailleurs. Donc je pense que là, c'est le premier choc du jeune entrepreneur tunisien, dans le digital en particulier, parce qu'on aime tous être... Voilà, exactement. On se dit qu'on va apporter... on va ramener le prochain Facebook ou... Bref, et on peut avoir des bonnes idées, mais vous vous situez sur un marché, il y a une offre, il y a une demande, il y a de l'argent dans certaines choses, il n'y a pas d'argent dans d'autres choses, et c'est ce décalage-là qui, à mon avis, fait que
comme vous dites, on peut être en avance, entre guillemets. C'est-à-dire que le e-commerce, c'est très sympa, mais c'est vrai que ça a démarré ici beaucoup plus tard qu'ailleurs. Et dans d'autres pays, je pense à nos voisins, l'Algérie, etc., ça démarra encore plus tard. Donc, et pourquoi l'échec, encore une fois, est très important ? Parce que c'est en vivant un échec qu'on retombe dans la réalité. Voilà. En fait, quand on veut lancer une start-up dans le digital, c'est pas pour essayer de faire un projet avec un business model ou une activité qui est faite depuis 10-20 ans. Donc on va tout le temps se retrouver un peu dans une situation de pioneering. On va essayer de éduquer le marché, on doit ramener des nouvelles technologies, on doit tester de nouveaux business models, etc., etc., etc. Donc ça fait partie un peu du risque du métier. Quand on lance, on est tous les deux, par exemple, dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Bon, il y a combien de casques de réalité virtuelle en Tunisie ? Pas grand-chose. Les téléphones mobiles capables de télécharger des applications de réalité augmentée avec une super bonne qualité, etc. Pas énorme non plus. Donc ça, c'est le risque. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une portée internationale. Et c'est pas toujours évident quand on est en Tunisie de pouvoir accéder au marché international. On n'a pas beaucoup cette expérience-là. Donc, on essaye de jouer dans la cour des grands. Il y a le Startup Act qui va peut-être nous aider, donc grâce à toutes les aides, le brevetage, etc., la prise en charge des brevets, la facilité d'avoir de la devise, de payer à l'international, etc. Donc ça, éventuellement, ça va nous aider. Mais c'est le risque de tout start-upper, c'est de ramener une nouvelle technologie, une nouvelle idée, une nouvelle approche dans son milieu ou dans le milieu international. Voilà. Donc la Presta, qui est au fait un coping mechanism, un mécanisme effectivement de permettre à tenir le coup. Enfin, il y en a qui pourraient opter pour cette stratégie, c'est-à-dire rester sur leur produit vachement innovateur, se positionner sur le marché, mais pour pouvoir générer du cash qui va te permettre de tenir le coup jusqu'à ce que tu travailles sur d'autres produits qui sont vendables immédiatement. Parmi lesquels, il y a une approche de Presta qui est en produit en Suisse, mais d'autres pourraient décliner leurs produits très innovateurs sur des produits moins innovateurs qui sont vendables au marché. Donc ça, c'est là. Et là, je voudrais vous poser la question, combien d'entre vous ont opté pour la Presta plus produit ? Donc toi, tu as mentionné ça tout à l'heure. Toi, évidemment, c'est... Voilà, tu es passé en Presta 100%. Ok. Sur les deux, voilà. Voilà. Donc, s'il y a une leçon à retenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle qui est très fixe, je pense. C'est en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de l'étude des besoins, de la demande, que vous pouvez être à 100% produit. Vous pouvez, dans votre business plan, un coping mécanisme, développer des produits. Donc, je pense que le message à transmettre, il n'y a pas un modèle défini, c'est-à-dire c'est, je pense que la force d'une entreprise digitale qui a un potentiel, c'est sa capacité à s'adapter et à se régénérer. Je pense que la clé, elle est là, si je me trompe. En fait, la Presta, il faut faire attention, c'est une arme à double tranchant. Donc d'un côté, oui, ça permet de financer un peu le produit, mais parfois on devient tellement dépendant de la Presta et on se met à faire de la Presta et on oublie le produit. Donc la vision de l'entreprise change, il y a une certaine démotivation de l'équipe, d'accord ? Et voilà, on passe à côté. Donc il faut vraiment faire attention. Donc nous, ce qu'on essaye de faire en fait, non pas de la prestation de service, mais de la coproduction. C'est-à-dire que nous sommes en train d'approcher ou être approchés soit par des ONG, soit par des musées ou des centres culturels pour faire de la coproduction, pour produire des expériences en réalité virtuelle, réalité augmentée ensemble.
c'est-à-dire qu'ils prennent en charge une partie de la production et après nous aurons aussi des droits sur le produit final et on se partage après les gains. Donc ça aussi c'est un autre modèle. Donc on fait de la coproduction, on se fait payer les coûts de production et on se partage un peu les gains après. Et ça nous permet de vraiment rester sur du produit, de garder la vision de l'entreprise intacte, d'avoir une motivation au sein de l'équipe et que l'esprit de la société se développe sans pour autant continuer à travailler pour les autres et nous, on n'est qu'un prestataire. Il faut faire attention à ça parce que, en fait, ce qui est très important pour nous aujourd'hui en tant que Tunisiens, en tant que jeunes, c'est de produire aussi nos propres produits et ne pas faire que de la presta. Et c'est un peu la vision par rapport à l'économie du pays. Comment on va positionner la Tunisie dans le marché digital mondial ou dans l'économie mondiale? Pendant très longtemps, on a positionné la Tunisie comme un prestataire de services pour le textile, maintenant aussi pour tout ce qui est logiciel, pour tout. C'est très bien, il faut le garder aussi, ça crée des emplois, ça crée de la valeur, ça ramène de la devise, c'est très bien, mais il faut aussi encourager la production de contenu et tout type de contenu. Voilà. Et après, justement, par rapport à ton expérience, c'est vrai que nous, on a pu avoir l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment les prestas qui nous ont permis de fidéliser des clients, donc au départ, on était uniquement prestataires. Mais en les fidélisant au fur et à mesure, la confiance s'installe et d'autres besoins se créent. Et c'est vrai que nous, par moment, en faisant des prestations assez ponctuelles sur plusieurs mois, à la fin de cette presta, on avait des demandes de production de contenu, par exemple. Parce qu'une confiance était installée, notre expertise pouvait être sentie par le client et du coup, on s'est mis également à produire des contenus. Ça apporte aussi une réflexion sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un côté où, en rencontrant et en poussant la relation avec le client, il y a des demandes, des interrogations qui se créent. Et nous, il y a une espèce de motivation aussi à créer, du coup, et à identifier les nouvelles possibilités que ça offre à chaque fois. Quoi. Je vais être un peu en contradiction avec vous. Je pense que c'est l'âge, je ne sais pas. Moi, j'ai une vision beaucoup plus terre à terre de cette histoire entre prestations et produire nos propres marques, nos propres innovations, etc. Si on regarde les expériences dans le monde, vous avez les Chinois, ils ont fait de la prestation de base pendant 30 ans, 40 ans. Ça fait peut-être 10 ans qu'ils commencent à avoir des marques. Ça fait 5 ans qu'ils commencent à innover dans les smartphones, par exemple. Aujourd'hui, ils occupent le haut du pavé dans le monde, mais ils ont fait avant ça 30 ans, 40 ans de prestations de services sans état d'âme. C'était l'atelier du monde et moi je n'y vois absolument aucun inconvénient. Je pense qu'en Tunisie il y a énormément de compétences techniques. Je pense aussi que la prestation de services, c'est un apprentissage en soi pour beaucoup plus tard arriver à être compétitif dans le monde avec ses propres marques, avec ses propres services. Je ne pense pas qu'on en soit là aujourd'hui, très honnêtement. Certes, on peut produire des contenus audiovisuels, on le fait aussi. Ça c'est un marché assez mature. Donc en termes de contenu, oui, peut-être, mais en termes d'innovation technologique qui va conquérir le monde, je pense qu'il nous faut d'abord être beaucoup plus réaliste, générer du revenu, mais vraiment du revenu, de sorte à enrichir l'écosystème, à ce qu'il y ait beaucoup plus de fournisseurs, à ce qu'il y ait des entreprises stables. Aujourd'hui, beaucoup de mes concurrents et beaucoup de gens dans notre domaine du digital ont du mal chaque mois à payer les salaires, ça il faut le dire, ont du mal à payer les impôts, etc. Et c'est vrai que cette attitude, entre guillemets, je l'entends souvent de dire « moi je ne suis pas prestataire de service, moi je suis créateur de contenu ». Il y a une espèce d'ego à se dire « moi je ne veux pas faire de la sous-traitance », qui, j'en faisais partie d'ailleurs, mais j'ai totalement changé d'avis sur ça. Je pense qu'il faut être réaliste et aller chercher le revenu là où il se trouve. Et c'est en soi un apprentissage pour plus tard avoir peut-être une idée, une illumination, et qui sera beaucoup plus réalisable. Voilà. Merci. Tu as, Camille, juste un petit truc. C'est comme Hassan est très terre à terre, moi je suis plutôt la tête dans les étoiles.
Moi, je ne crois pas du tout. Je ne regarde pas la Tunisie comme un petit pays. On est loin des autres. On a encore du chemin à faire. On a encore besoin des autres. On n'est pas capable de faire. Oui, peut-être. Et peut-être pas. Moi, je pense que n'importe qui est capable de trouver la bonne idée. Une idée, la bonne idée. L'idée qui pourrait être internationalisée, qui pourrait être développée, qui pourrait conquérir le monde, pourquoi pas. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. À partir du moment où quelque chose n'est pas impossible, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas tenter sa chance? Ce que je vois depuis ces dernières années où je discute beaucoup avec des entrepreneurs tunisiens de tous les âges, la plupart essaient d'être très réalistes, très terre à terre, de regarder le business model de prestations, produits. Oui, ok, tout ça c'est bien, c'est parfait même, il faut faire ça. Mais à un moment, il faut regarder beaucoup plus loin que ça. Il faut se dire qu'on est capable de le faire et il faut trouver la façon de le faire. C'est possible, tout est possible à condition de le vouloir. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Et c'est ce qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui, c'est mon carburant. Je n'ai jamais regardé, j'ai toujours eu des ambitions hors frontières. Je ne pense pas uniquement en Tunisie. N'importe quel projet, n'importe quelle idée qui me passe par la tête, je vois très loin, même si je sais que je ne serai pas capable de le faire. Je n'ai pas les moyens financiers, ouais. Mais pourquoi pas? Il faut ne jamais se donner... Pas de barrière, pas de limite. D'accord. Voilà. Si je peux rebondir là-dessus, sur l'idée de sans limite, je pense que vous avez mentionné quelque chose de très intéressant qui est avoir la bonne idée. Ça, c'est n'engage qu'à moi. Je partage avec vous une idée et vous allez me dire si je me trompe. Hein. Mais je pense qu'on est 7 milliards sur la Terre. Et il est impossible, statistiquement impossible, que la même idée n'ait pas traversé 50 000 têtes en même moment. Donc je pense que... Mais ce qui fait la différence, c'est que celui qui arrive à la concrétiser, elle est là, il est là l'enjeu. Celui qui arrive en premier à concrétiser cette idée. Donc je pense que le problème n'est pas dans avoir la bonne idée, parce que statistiquement, il va y avoir au moins, on va dire, dizaines de Tunisiens qui auraient la même idée au même moment. Mais après, est-ce qu'on arrive, comme tu disais tout à l'heure, à créer le business model qui permet de la concrétiser et qu'elle soit viable? Et ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre cette competitive advantage, cet avantage compétitif, et avec l'expérience? Je voudrais savoir combien d'entre vous qui ont une expérience précise dans le domaine dans lequel ils ont lancé leur entreprise. Parce que apparemment, les études sur l'entrepreneuriat et le start-upping ont démontré que les start-up qui survivent, qui make it, sont ceux qui sont founded par des personnes qui sont du domaine, qui ont une expérience passée dans le même domaine dans lequel ils ont lancé leur entreprise. Est-ce que ça s'applique à vous ou pas? Moi, pas du tout. Moi, c'est simple. Quand j'ai décidé de me lancer dans le e-commerce, je ne connaissais rien du e-commerce. Enfin, j'avais quelques petites expériences dans le marketing digital. Je savais que c'était l'avenir du marketing, mais c'était ridicule. D'accord. Mais je voulais me lancer dans le e-commerce, j'y croyais. Donc au fait, merci Révolution, je le répète, libération d'Internet, merci Internet, parce que j'ai tout appris sur Internet. Tout trouvé, j'ai passé des mois et des mois à faire des recherches. Excellent. Et j'ai passé ensuite, même après avoir lancé mon projet, même après avoir foiré mon premier projet, lancé mon deuxième projet, presque foiré le deuxième aussi. Bon, on verra. Mais je continue jusqu'à aujourd'hui à me cultiver, à chercher de l'information. Je passe spécialement par Internet parce que surtout... Avec les moyens qu'on a aujourd'hui et la dévalorisation du dinar, partir, voyager, aller rencontrer des acteurs internationaux, ce n'est plus aussi facile. Ça coûte super cher. Mais je ne pense pas qu'il faut être du domaine pour réussir. Mais excuse-moi si j'ai très bien compris, mais tu le dis toi-même, tu as foiré ton premier et deuxième. C'est exactement ce que je dis. C'est que quand on est... Les chances, voilà, pour aboutir, c'est au bout d'un moment, c'est ta troisième entreprise en e-commerce qui a décollé. Oui, mais donc, non, pas nécessairement. C'est la première qui a décollé. Ah, d'accord, ok. C'est la première qui a décollé, mais je l'ai mal gérée. D'accord. En fait, ce n'est plus, on ne parle plus de compétences
dans mon cas de compétences dans le e-commerce, c'était plutôt un problème administratif. Ça rejoint ce que je dis, c'est que la start-up, elle n'a pas survécu, peu importe que tu aies les compétences ou pas, mais l'expérience, est-ce que c'est valable pour toi, Hassan, peut-être ? Moi, j'étais salarié dans une agence, dans une web agency, comme j'ai dit. Oui, forcément, c'est ce qui m'a donné un petit peu l'envie et l'idée de rester dans le numérique, dans le digital. Je veux juste une petite précision par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Sur le fait qu'il ne faut pas rester terre à terre, travailler sur la TIN. On peut être dans la prestation de services et travailler sur plusieurs pays. Nous, on nous confie aujourd'hui des budgets sur 20 pays pour de la prestation de services. Après, c'est peut-être pas sexy de dire je fais l'exécution, la sous-traitance, etc. Mais c'est très exactement le même corps de métier. Et puis, je n'exclus pas le fait d'investir sur des idées qui sont beaucoup plus orientées produits ou services, etc. Encore faut-il que j'en trouve quelques-unes qui soient viables à mes yeux. Ce qui a changé entre il y a 10 ans et maintenant dans mon esprit, c'est que je ne suis plus dans le fantasme. Comme vous disiez, c'est très important, les idées que vous pouvez avoir aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un quelque part dans le monde qui l'a eu, c'est très très rare les idées originales, ça il faut se le dire quand même clairement. La différence entre le fait d'être à Tunis ou à San Francisco, c'est que là-bas vous allez avoir des milliards de dollars d'investissement. Uber, c'est pas très, y a pas une énorme innovation, mais c'est une entreprise qui aspire plus de 20 milliards de dollars. Plus de 20 milliards de dollars, c'est pratiquement le PIB de la Tunisie. Donc, vous savez, le rêve qu'on vend à tout le monde, des startups qui commencent avec 100 dollars, ça, c'est... Ça a existé peut-être 6 mois en 1995, mais c'est terminé. Aujourd'hui, le but de toute idée novatrice que vous voyez apparaître et qui font les titres de la presse, etc., le but, c'est de très vite grossir pour s'accaparer le maximum de parts de marché. Et ça requiert des investissements absolument pharaoniques. Et ça va d'ailleurs contre l'esprit initial d'Internet, entre parenthèses. Donc moi, je ne suis pas personnellement dans ce fantasme-là, je respecte. C'est très bien d'avoir des idées et de foncer. Encore une fois, j'encourage tous ceux qui en ont envie de tenter, même si à 99%, ils vont peut-être échouer, recommencer, etc. Et au bout de quelques itérations, ils vont trouver leur chemin. Mais la Tunisie, atelier, pourquoi pas ? Moi, je trouve que c'est très bien. Et c'est un vivier d'emploi exceptionnel. Il ne faut pas forcément être dans des choses qui font sensation. Il faut être dans le concret, à mon avis. Merci. Est-ce que vous avez des trucs à ajouter ? Par rapport à ce que vous disiez justement et au fait, est-ce qu'on est issu du milieu dans lequel on travaille actuellement ? Moi, pour mon cas, je viens de l'audiovisuel, donc je suis entre guillemets dans le milieu de la start-up qu'on a actuellement, mais par contre, mes associés ne le sont pas du tout. Mais ça a été un plaisir justement de pouvoir repenser sa manière de travailler, parce que du coup, mes associés Damien Gire est designer architecte, Guillaume Lucas vient du milieu des ressources humaines et du management, et aujourd'hui je pense que pour ma part je ne travaille plus du tout comme il y a 3 ans, parce que si ça crée des manières de travailler différentes avec des visions plus élargies, peut-être plus de rigueur sur certaines choses. Donc je ne pense pas, à mon sens, qu'il faille forcément venir du milieu dans lequel aujourd'hui on s'investit. Oui, les technologies évoluent tellement rapidement, là, et on parle de digital, donc qu'on soit du domaine ou qu'on soit pas du domaine, ça n'a pas vraiment une grande... Ça aide bien sûr, quand on a des bases. Bon, personnellement, je fais un master en marketing, j'ai ouvert une boîte de marketing digital, donc ça m'a donné un peu les bases marketing, parce qu'on parlait toujours stratégie marketing, etc. On l'incluait dans toute la stratégie marketing. Mais ce qu'on a le plus vendu, c'était du community management à l'époque, quand le community management démarrait. À aucun moment on a étudié le community management.
par rapport à Digital Cultural Experience, je ne suis ni historien, ni archéologue, ni artiste 3D, ni ingénieur réalité virtuelle, rien du tout. Voilà. Mon métier, c'est de faire en sorte que cette idée, que ce produit devienne réalité, devienne une activité rentable. C'est ça, en fait. On laisse le côté technique aux ingénieurs et aux techniciens, le côté artistique aux artistes, le côté scientifique aux historiens et aux archéologues. Et nous, on essaie de faire vraiment la coordination et de pousser, de collecter des fonds, de nouer des partenariats, de communiquer, etc. Donc, c'est un peu ça le métier d'entrepreneur dans le digital, peut-être. Je voudrais rebondir sur la mention de l'innovation. Je viens de mentionner le fait que quand on est dans le digital, on est confronté à le cycle de vie en fait, d'un produit est devenu très très court par rapport à avant. Donc je pense que c'est un challenge parce que le temps de le rentabiliser, ça devient très très court. Mais aussi, comment inscrire l'adaptation à l'innovation dans l'ADN de l'entreprise. Je pense que ça devient un enjeu de viabilité d'une entreprise digitale et qu'il faut penser dès le départ, c'est-à-dire dès la conception de ton business model hein, en tant que dans le secteur, à comment être toujours à l'affût, comment adapter très rapidement ton produit, ta stratégie, ton équipe à cette innovation. Est-ce que vous avez développé des approches? Est-ce que vous avez, en tout cas, des outils à partager ou une expérience à partager sur comment vous avez inscrit dans l'ADN, par exemple, la composition de l'équipe, dans les partenariats, dans la veille, cette inscription de l'innovation dans votre entreprise? Je pense que c'est, comme vous avez dit le mot veille, je pense que le mot veille et la veille est totalement indispensable. Rester toujours en contact avec tout son écosystème, en fait. Quand on a des partenaires, quand on travaille avec des freelances, avec des créateurs de contenu, rester dans l'échange en permanence. Ensuite, c'est vrai que pour l'inscrire dans des outils, c'est partager chaque information avec ses collaborateurs en permanence, faire en sorte que l'information soit transmise. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, que ce soit des Dropbox, des Google Drive, qui permettent de partager en permanence les informations. On est à l'ère d'Internet. Je pense qu'on est bousculé de publicité, de contenu en permanence. Rester peut-être, essayer de trouver des filtres pour vraiment ne garder uniquement que ce qui nous intéresse. Et c'est vraiment une veille permanente, des discussions permanentes, des conversations, des coups de téléphone en permanence pour savoir, voilà, t'as entendu parler de telle caméra, il y a tel ordi qui vient de sortir. Et c'est s'alimenter en permanence. Moi, je serais tenté de lier innovation et prise de risque. C'est-à-dire que dans l'innovation et dans le fait de rechercher l'innovation et de pousser ses collaborateurs à rechercher l'innovation dans tout ce qu'ils font, même dans des prestations de services, encore une fois, il y a la notion de prendre un risque. Parce que vous allez sortir d'un sentier que vous connaissez bien, que vous avez essayé 10 fois, 15 fois, 30 fois, que le client aime bien, là où il y a des résultats que vous connaissez, que vous pouvez prédire, etc. Et vous allez essayer quelque chose de différent, de nouveau. Et je pense que c'est une attitude qui est complètement inhérente au fait d'entreprendre. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans prise de risque. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'entreprise sans innovation. Qu'elle soit d'ailleurs dans le digital ou pas. Voilà, ça c'est mon approche personnelle. Est-ce qu'on a encore le temps? Alors, je voudrais poser, allez-y, sur la question, parce que vous l'avez mentionné, ça, donc la prise de risque, et je voudrais la lier à la question sur l'écosystème. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'un des success factors, d'ailleurs, c'est qu'il y a des systèmes, que ce soit un appui financier, mais aussi d'appui technique. Vous avez mentionné également comment filtrer l'info, comment la gérer, que ce soit au sein de réseau personnel, de fondateurs ou de l'entreprise, mais aussi au niveau du réseau. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'écosystème de l'entrepreneuriat digital en Tunisie et plus and minuses?
Bon, en fait, Hassan, tout à l'heure, il a dit qu'en 2001, il faisait partie des précurseurs, il faisait partie des premières startups, alors que personne ne parlait de startups. Aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat, encourager les startups. Toutes les grandes entreprises ou les grandes ONG ont un programme pour les startups, les incubateurs, les accélérateurs, les je sais pas quoi, teurs. Voilà. Donc, ce qui est bien en soi, hein. En soi, c'est bien. En soi, c'est bien, mais parfois, ça devient quand même un peu pervers. Et là, faut faire attention. Parce qu'un entrepreneur, il peut passer, ou un nouvel entrepreneur, il peut passer tout son mois, toute sa journée, toutes ses journées à postuler pour les appels à candidature, essayer de faire partie de tel incubateur, de tel accélérateur, lever des fonds ici, par là. Et c'est bien qu'il y ait autant d'offres, en fait. Mais il faut faire attention à ne pas oublier qu'on a du boulot à faire aussi. Donc il y a un travail avec l'équipe de prod, il y a un travail avec les partenaires, il y a un travail technique, il y a tout un travail qui doit se faire et ne pas uniquement se concentrer sur les incubateurs pour aller rechercher. Et quand on démarre, c'est des petits montants en fait. Donc c'est des 15 000, 30 000, 15 000, 50 000, etc. Et surtout, il faut savoir choisir le bon incubateur, la bonne offre, parce qu'il y a pas mal aussi de gens qui font un peu leur business au dos des start-upers. Excusez-moi, je le dis comme ça, c'est un peu aussi mon ressenti, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui veulent encourager les start-upers et les jeunes entrepreneurs, et dans la principale chose qu'ils offrent, c'est... Oshras, j'aurais aimé. C'est de la visibilité. Donc ça, c'est le fameux mot. Donc sur une dizaine de rencontres, 75% on m'offre de la visibilité. Oui, venez, on a un super événement. Vous allez mettre votre casque, votre réalité virtuelle, Carthage VR. C'est très bien, venez, installez-vous. Il va y avoir plein de monde, il y a plein d'investisseurs. Vous allez voir, les gens vont commencer à vous jeter de l'argent comme ça. Donc on dit, oh ouais, super, il va y avoir des investisseurs, des étrangers, des ministres et tout. Ok, donc, mais ce n'est pas du tout vrai en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Donc on vous invite à pouvoir faire de la visibilité. Et donc le 31 du mois, je vais voir mon équipe. Je leur dis, les gars, ce mois-ci, on a bien bossé, on a eu beaucoup de visibilité et votre salaire, c'est en visibilité. Vous avez bien bossé, vous avez participé à plusieurs événements, vous avez bien gagné en visibilité. Bravo les gars, champion. Pareil pour le mec auquel on paye le loyer. Et on a notre plaque devant votre bâtiment, voilà. Donc il y a plein de monde qui passe tous les jours et qui voit que vous êtes en train de louer en fait. Hein. C'est bien, ça vous donne de la visibilité. Voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est sympa une fois, deux fois, trois fois. Et après, bon, ça commence à... Ouais. Donc le mec suivant qui vous offre de la visibilité, ben, je raconte la même histoire. Je dis, écoutez, vous êtes très bien gentil, mais moi, la visibilité, ça ne paye pas les factures, ça ne paye pas le matériel, ça ne paye pas le loyer, ça ne paye pas l'Internet, ça ne paye rien du tout. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Donc en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur, futur entrepreneur, le fait de faire... toutes les foires, tous les événements, etc. On croit que c'est bien parce qu'on est visible, on est présent, on rencontre des gens très importants, on est encouragé de partout, ça nous flatte un peu. Ouais, il y a le ministre, il y a l'ambassadeur, il y a le tel PDG qui nous dit « Ah, vraiment, c'est génial, bravo, vous faites Carthage comme ça, on en a besoin, bravo !» D'accord, très bien. Et après, « Oui, je vous encourage, c'est génial, dites-nous, comment est-ce qu'on peut vous aider ?» Travaillons ensemble. Oh, ouais, bon, vous savez, c'est la fin de l'année, on n'a pas de budget. Peut-être l'année prochaine. D'accord, ben, l'année prochaine, quand vous aurez du budget, vous pouvez revenir nous voir et nous offrir de la visibilité. Parce que la visibilité, ça fait partie de notre travail. Quand on produit, c'est normal qu'on soit visible. Quand vous payez un chanteur pour qu'il vienne sur scène
vous chantez ces chansons, c'est normal qu'il soit visible, qu'il soit devant la caméra, parce qu'il est en train de délivrer un produit sur lequel il a travaillé pendant des années et des années et des années. Donc la visibilité n'est pas un cadeau. D'accord, ce n'est pas un avantage, c'est quelque chose que vous prenez naturellement quand vous travaillez, quand vous investissez pendant plus d'un an avec une équipe de 6 personnes sur un produit. Donc faites très attention aux personnes Merci. Qui vous offrent de la visibilité et concentrez-vous sur le vrai boulot, sur la recherche de vrais partenaires, sur la presta, la production, votre produit, tout ce que vous voulez. Faites attention à ça. Merci. Un conseil ? Parce que tu me rappelles une anecdote qui va dans ce sens-là. En 2010. Enfin bref, c'est une année où on avait gagné pas mal de prix à Dubaï. On avait eu beaucoup de visibilité pour le coup. Et là, il y a un grand groupe que je ne vais pas citer qui est venu nous voir en disant on va investir dans l'Info Challenge. On veut investir dans l'Info Challenge. Pourquoi vous restez comme ça dans des petits bureaux? Enfin bon, vous gagnez des prix. On va faire de vous le fer de lance du digital dans l'Afrique. Mais. Ok. Et donc la proposition, c'était on va vous donner 200 000 dinars pour 51% de l'entreprise. Qui à l'époque, franchement, c'était un montant important. Donc j'ai dit ouais, mais c'est très intéressant. Alors la condition, c'était que je réinvestisse ces 200 000 dinars dans l'entreprise. C'est-à-dire, en gros, j'allais donner 51% cadeau. Voilà. Et c'est vrai que ça continue. Aujourd'hui, le start-up, c'est à la mode. Digital, c'est à la mode. Ouais. Donc ça fait quelque chose... Il y a une espèce d'ébullition. Vous avez je ne sais combien de programmes d'incubation, de concours de start-up qui sont intéressants si on est intelligent et on sait... en profiter sans perdre de vue notre cœur de métier, voilà. Votre objectif Merci. De base. Je voilà. voudrais également rebondir là-dessus parce que moi, comme j'ai lancé ma boîte Culture Funding Watch il y a 10 mois, et comme bon start-upper, enfin une ancienne de monde de la recherche, il faut que je mappe tout, j'ai besoin de tout savoir. Et j'ai fait un mapping de l'offre d'incubation ici, en Tunisie. Et j'ai identifié une centaine d'offres d'incubation. Alors, ça inclut également, le mapping a concerné les offres pour lesquelles une entreprise tunisienne est éligible. Donc, j'ai inclus dans mon mapping les incubateurs régionaux et internationaux. Et j'ai étudié tout, hein, la durée, j'ai analysé la durée, le contenu, le profil des mentors, le financial deal, etc. Et j'en ai dégagé, en fait. Je l'ai fait, en fait, je voulais le faire pour moi, pour comprendre, justement, avant d'avancer, où est-ce que je vais. Mais bon, moi, j'étais dans une situation confortable parce que j'avais les moyens et le temps de le faire. Quand on est start-upper, on n'a pas le temps. On n'est pas, d'ailleurs, censé tous faire de la recherche avant de démarrer. Ça devrait être des outils qui sont plus ou moins disponibles. Et donc, de cette analyse, en fait, j'ai réussi à dégager 6 indicateurs. Et donc, basic, hein, c'est pas un truc très poussé, mais des indicateurs basiques en disant si tu appliques ces 5 ou 6 critères, et si l'incubateur ne les passe pas avec une bonne, laisse tomber, c'est du, comme tu disais, c'est de la visibilité et du business autour de l'entrepreneuriat. Donc, moi, je fais un talk sur ça qui s'appelle Cut the Crap. De temps en temps, je suis ravie de partager ça. Regardez sur la page de Culture Funding Watch. Mais effectivement, parmi lesquels, c'est le deal. Et beaucoup d'annonces, faites attention, il y a beaucoup d'annonces fausses publicité. Basically, des fois, je dirais de la publicité mensongère. On joue sur les mots, en fait. Et oui, vous allez gagner tant dans notre temps, mais en fait, ce n'est pas garanti. En fait, c'est de l'assistance technique. En fait, c'est plusieurs choses. Donc, prenez le temps. S'il y a un conseil de ce que disaient Mohamed Ali et Hassan, c'est vraiment prendre le temps de bien comprendre en quoi on s'embarque. Voilà. Juste une petite chose. Il faut faire attention, par exemple, quand vous voyez tel programme propose 1 million de dollars en tant que cagnotte. Génial, je vais postuler pour ce programme pour gagner 1 million de dollars. J'ai besoin de 1 million de dollars, d'accord, pour vraiment financer mon produit. Donc, quand on va un peu voir un peu les détails, donc le 1 million de dollars, c'est 300 000 pour le premier, 200 000 pour le deuxième, 100 000, etc., etc., etc. D'accord, donc, tous les programmes, je vais me faire plein de copains avec ça. Tous les programmes adorent additionner, en fait. D'accord ? Donc,
voudrais rajouter, bon, je crois qu'on a dit déjà bien assez de mal sur les incubateurs, et etc. Mais je suis totalement d'accord. Non, c'était pas du tout dans le sens, parce qu'il y a enfin, du bon et du mauvais là-dedans. Hein, non, y en a mais pas. C'est vrai. Moi, j'ai parlé d'exemples concrets. J'ai un ami qui a une start-up, qui a passé des années. À chaque fois que je le vois, et ça fait des années que ça dure, qu'est-ce que tu as de prévu cette semaine ? Ah, j'ai une présentation. J'ai une présentation. J'ai un incubateur. Ah, j'ai un pitch, voilà. J'ai un pitch. Il passe sa vie à passer des pitchs, à pitcher. Mais au final, quand je regarde les programmes, quand je regarde les gains, quand je regarde les mentors, je trouve qu'il y a beaucoup de temps perdu. Beaucoup de temps perdu sur un temps qui pourrait être dédié au travail. Certains start-upers passent beaucoup plus de temps à chercher, à pitcher qu'à travailler, ce que je ne comprends pas du tout. Et pour en avoir fait pas beaucoup, je crois que j'en ai fait deux, j'ai laissé tomber très vite parce que ça m'ennuyait et parce que ça me prenait un temps fou. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup d'entre eux, pas tous bien sûr, mais beaucoup, c'est plus de la com qu'autre chose. Ils font leur propre com sur le dos des entrepreneurs, sur le dos des startups. C'est, la cagnotte à 1 million, les voyages en France, au Japon, je ne sais pas où, n'importe. Il y a énormément d'offres, ouais. Mais concrètement, il y a très peu de concrétisation. Il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs potentiels, mais il y a très peu d'argent qui circule en Tunisie. Je ne sais pas où va cet argent, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas vraiment chez mes amis entrepreneurs. Je pense qu'il faut quand même modérer un peu les propos. Oui, bien sûr. Parce que je pense qu'en fait, il y a une leçon à retenir. Parce que peut-être, toi, tu parles peut-être de ton histoire, parce que tu es à maturité. Mais pour quelqu'un qui démarre, ça a son avantage d'être dans des programmes d'initiation, de comprendre. Donc, c'est assez intéressant. C'est bénéfique de passer par ces structures-là. Mais en fait, l'enjeu, c'est de garder l'équilibre. C'est-à-dire ne pas trop s'enliser là-dedans et bien choisir. C'est tout. Donc, prendre le temps, s'il y a une leçon à retenir, c'est un message. Si vous êtes d'accord avec moi, et si vous n'êtes pas d'accord, vous me laissez savoir. Mais c'est un message à transmettre de vos différentes expériences. C'est bon, mais à bonne dose. Voilà, et je pense que c'est un lien avec le stade de maturité de la taille de l'entreprise, où vous en êtes aussi. Voilà. Ça, c'est sûr. Bon, on les a un peu massacrés, mais c'est juste parce que là, on est là pour parler un peu des difficultés, des challenges. Voilà, parce qu'il y a de très bons programmes. Il faut savoir les sélectionner. Il faut avoir une stratégie, d'accord ? Il faut voir quels sont les événements qui existent ou les programmes qui existent et sélectionner. Par rapport à votre besoin, par rapport à votre niveau de maturité. Donc juste, on attire votre attention pour faire attention aux programmes auxquels vous postulez. Il y en a qui sont bien. Donc personnellement, donc Digital Cultural Experience, on a été sélectionné dans le Tunisia Games Factory. Donc c'est un programme du CNCI en fait qui aide, c'est une aide à la pré-production de jeux vidéo. Donc Carthage en réalité virtuelle, on va le décliner en jeu vidéo. Et là, il y a une aide financière, il y a deux ateliers de formation et il y a la fameuse visibilité à la Paris Games Week. Ouais. D'accord. Donc il faut vraiment voir ce package. D'accord. Parce que en tant que start-upper, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de formation, mentorat, etc. Ça, c'est très important. Et vous avez besoin de visibilité. Donc il faut vraiment essayer de cibler les programmes par rapport à l'offre. Adapté. Voilà. D'ailleurs aussi, pour le pape sur une note positive, c'est que l'écosystème en soi, il est en train de se structurer en Tunisie. Donc il est en train de se mettre en place, il est en train d'apprendre. Je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage par lequel tout écosystème il doit passer, et je pense que comme tu dis Mohamed Ali, le Tunisian Games Factory, c'est ça, tu es la première cohorte je crois, hein.
Et donc, tu vois, des initiatives beaucoup plus ciblées, beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus adaptées, ils sont en train de se mettre en place. Donc, c'est pas, tout n'est pas noir, vraiment. Et puis, avec le Startup App, avec ses décrets d'application, avec les avantages fiscaux, financiers, IP qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que l'enjeu pour nous, en tant que start-upers, dans, en relation avec l'écosystème, ça serait de nous structurer un petit peu plus pour pouvoir relayer. Parce que de l'autre côté, on a des gens qui voudraient avoir un message structuré, tu vas avoir un plaidoyer beaucoup plus structuré pour pouvoir justement aligner les politiques d'appui ou l'appui à l'écosystème. Est-ce que je dis correct? Je veux juste modérer, peut-être que je vais donner l'impression d'être négatif ou non, pas du tout. Encore une fois, il y a beaucoup plus d'argent aujourd'hui disponible pour les entrepreneurs qui en avaient il y a 10, 15 ans, mais c'est incomparable. Ouais. Tout à l'heure, Mohamed Ali parlait de petites sommes, 15 000, 20 000 dinars, 50 000 dinars. Nous, on n'avait pas 100 dinars. Réellement, je n'exagère pas du tout. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais on n'avait pas aussi toutes ces distractions. Parce que tout ce marketing-là, ça peut devenir une distraction. Aujourd'hui, on voit des projets qui passent de programme en programme. Et en fait, l'objectif de la start-up devient lever des fonds. Ce n'est même plus le produit ou le service ou devenir pérenne ou arriver à payer ses salaires, se développer, etc. L'idée, c'est de passer d'une levée de fonds à une autre et de pitcher en permanence. Donc, j'en connais beaucoup des startups dans ce sens-là. Et je pense que c'est dommage parce que ça va corrompre même l'écosystème qui se met en place, qui va devenir beaucoup plus restrictif. Et voilà, je pense qu'il faut rester dans le concret de son idée. Et les financements existent, le mentoring existe, il faut juste être clairvoyant et intelligent et aller là où vous avez besoin d'être. Ouais. Merci. Je laisse maintenant la parole au public. Qui voudrait le monsieur là-bas? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire passer le micro? Alors, bonjour, je me nomme Kéry Abdelhamid, je suis le président de l'association Tunisie Terre des Hommes. Je vous ai écouté donc tout à chacun en train de présenter vos propres expériences. Je peux dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hassan lorsqu'il disait qu'au niveau de la Chine, je ne sais pas si elle met l'exemple de la Chine avec la Tunisie est tout à fait en accord. La Tunisie est passée en prestation de services déjà depuis à peu près 30 ans. Ça a été un transfert total et global vers la prestation de services et je crois qu'elle est plus que prête. C'était l'écosystème qui n'était pas là, malheureusement, parce que la plus grande difficulté, je crois que c'est la levée de fonds. Ça a toujours été la levée de fonds, puisque pour vraiment réussir, il faut avoir les fonds. Malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce qu'après aussi, au niveau du digital, c'est aussi du matériel et le matériel coûte énormément cher. Je crois que l'une des problématiques aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'écosystème en question, la loi, je peux dire, bon, on a tenté d'y contribuer au niveau du Parlement pour la faire passer et pour y aller. Il y a de nouvelles lois qui commencent à arriver, notamment avec les sociétés sociales et solidaires et les fonds sociaux et solidaires qui auraient pu ouvrir énormément de problèmes. Je rebondis un peu sur ce que vous disiez, la maturité, l'expérience, franchement parler. C'est une question de culture, premièrement, parce qu'au niveau de nos facultés, au moins étatiques, je ne crois pas que les professeurs apprennent cet esprit d'entrepreneuriat à leurs étudiants, malheureusement. Et donc, on arrive sur le marché, on est un électron libre, comme vous disiez, mademoiselle, il faut rêver. Je peux vous assurer qu'il faut rêver. Il faut rêver et garder les pieds sur terre. Ce que je reproche un petit peu lorsque je regarde et que je vois les jeunes, etc., qui tentent de vouloir faire leur projet, c'est que nous, déjà, la devise, on l'appelle « Rome la sorbe ». C'est ce qui est quand même catastrophique. Lorsqu'on commence à réfléchir, c'est qu'on commence à réfléchir à un produit avant tout et pour tout pour l'extérieur, alors qu'on devrait chercher avant tout à s'implanter ici en Tunisie selon le besoin. Il est vrai qu'on fait du papier collé parfois. C'est malheureux. Alors que la culture... Et les bases qu'on a apprises théoriques de marketing et autres ne s'adaptent pas parce qu'on n'a pas laissé le marché grandir et aller. Donc il y a tout un travail d'éducation, il y a tout un travail de sensibilisation, d'information, de changement des pratiques. Et il faut tenir dur. Son idée, il faut la développer. Il faut trouver
le petit aléa à côté pour pouvoir faire entrer un petit peu d'argent. Mais je ne crois pas, parce que je n'ai pas arrêté d'entendre dans vos présentations la question de l'argent, c'est-à-dire gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'un modèle économique, à partir de quel moment est-ce que, pour moi, c'est-à-dire que lorsque je dis pour moi, c'est-à-dire pour vous, à quel moment est-ce qu'il est rentable, on va dire, vous voyez, pour pouvoir réaliser son rêve. Ça, c'est l'une des premières questions, à mon sens, parce que si on cherche à vouloir faire des milliards d'un coup, c'est très difficile. Sincèrement, je pense que c'est très personnel, en fait. C'est, y a pas, encore une fois, un modèle unique de start-up. Vous pouvez rêver d'avoir 100 employés, d'être présent dans des bureaux énormes, etc. Et il y en a qui rêvent d'en avoir 3 ou 4. Et les ambitions sont variables et c'est légitime. Et il ne faut pas du tout être dans un modèle unique. Là, je suis complètement d'accord avec vous, quoi. Oui, bonsoir tout le monde. C'est Mimhani, je suis ingénieur en sciences de la mer. Donc j'ai beaucoup nagé avant d'échouer sur votre magnifique plage. Je suis porteur d'un projet qui utilise la réalité virtuelle, l'augmented reality. C'est ici. Je ne sais pas, j'ai eu des contacts avec 2 startups en Tunisie sans suite. Mais je suis pour la coproduction, c'est-à-dire utiliser votre savoir-faire pour des solutions pour mon projet. Mon projet, ça va être un centre de découverte de la mer sans une goutte d'eau. Tout est basé sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, je voulais, sur un point, vous avez parlé de l'innovation. Ça fait quelques années que je travaille sur l'innovation, le système d'innovation. Et j'ai travaillé aussi avec des entreprises. Pour commencer à travailler l'innovation, il y a des techniques. On fait un diagnostic innovation. On voit à quel stade vous êtes. Et après, on choisit une technique pour promouvoir et mettre en place tout un système qui va périodiquement générer des idées, les tester. Bien sûr, le risque, c'est très important, mais une innovation sans risque, c'est un produit commun. Ça. Voilà, merci. Je suis à la recherche de... J'ai une question pour vous, monsieur. Oui, vous allez-y. Est-ce que vous proposez de la visibilité ou un investissement? Non, alors, je crois qu'on peut développer ce dont j'ai besoin. Développer des produits nouveaux. Parce que c'est un concept nouveau. Maintenant, les aquariums tels qu'on les connaît, Dar el Hout à Barcelone et d'autres aquariums avec des dauphins, des requins qu'il faut renouveler, alimenter, les soigner et tout ça, c'est de l'histoire. On va dans une autre sphère maintenant et on aura besoin de vos compétences pour développer et des jeux, parce que ça fait vivre aussi, mais aussi du matériel didactique pour faire arriver des informations bien précises sur l'environnement marin aux clients que je vous invite juste, il y a beaucoup de contenu qui existe dans ce sens et vous avez raison, et c'est une super belle initiative que de penser ce genre de projet. Je vous invite, c'est vraiment juste à titre informatif, à voir dans le hall de l'IFT, vous avez des expériences dont Out of the Blue, qui est en gros un contenu qui raconte l'histoire d'un village au Mexique qui a pris la décision d'arrêter de pêcher pour garder en vie son écosystème marin. Donc je vous invite à regarder ce genre d'expérience afin de nourrir votre projet et même de voir les possibilités, les diverses possibilités sur les sujets d'amélioration de l'écologie, environnement, tout ça. On est sur la bonne voie en tout cas avec ces sujets. Choix
de faire les choix et justement de ces incubateurs, etc. Donc, comme vous savez, lorsque quelqu'un veut se lancer et faire sa start-up, il est en train de pêcher, il ne connaît pas et il va aller vers la première chose qui va arriver. Donc, c'est de votre responsabilité au jour d'aujourd'hui, je crois, en tant que citoyen donc tunisien, toi-même en tant que demi-marocain, demi-tunisien, mais mon maghrébin, c'est éventuellement d'aller dans les facultés, raconter votre histoire, faire passer l'information, leur donner les tuyaux, leur dire voilà où sont les meilleurs, on va dire, incubateurs, quelles sont les possibilités, parce que ce que vous avez raconté tout à l'heure par rapport justement à ces fameux concours et ces pitchs et ces tournées, il y en a certains qui durent depuis 3 ans et 4 ans et le projet ne voit jamais le jour sur la finalité. Donc là, c'est de votre responsabilité. On le fait de plus en plus. Voilà. Chacun c'est ce qu'il faut faire, je crois, parce que l'information, malheureusement, ne passe pas. Il y a un manque énorme d'informations à passer vers ces jeunes. Merci. Bonsoir, je m'appelle Hassine Khalid Galgouri, je suis aussi dans le domaine du digital et je suis ravie de voir autant de générations. Moi, je fais partie de la vieille avec Hassan et des plus jeunes. En fait, je suis intriguée sur un sujet, depuis un moment j'y réfléchis et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse avoir des personnes avec des générations différentes. La question, c'est on parle d'entrepreneuriat, de start-up, mais on ne parle pas, à mon sens, assez d'intrapreneuriat. Pourquoi aujourd'hui, dans nos entreprises digitales plus vieilles, on ne donne pas des occasions à des jeunes pour justement créer leur start-up, mais profiter aussi de l'expérience et de la maturité de ceux qui ont vécu beaucoup plus d'années d'expérience, qui peuvent apporter de la maturité. Et là-dessus, je ne sais pas si nous, plus âgés, sont incompétents à encadrer des plus jeunes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'initiatives, pas assez d'idées, pas assez d'encouragement dans ce sens. Et je pense que ça représenterait peut-être un milieu beaucoup plus favorable pour grandir, pour donner forme aux idées et surtout à des modèles économiques beaucoup plus raisonnables, viables et innovants. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ça m'intéresserait de savoir. Le vieux, c'est moi, donc c'est moi qui vais répondre. En fait, c'est très bien que je peux te tutoyer, parce qu'on se connaît quand même depuis presque 20 ans, je pense. Et en fait, ça me rajeunit pas, merci. Moi, je le fais. Moi, je le fais. On a déjà un projet. C'est super ta question. On a déjà un projet confié à une de mes collaboratrices, et elle s'en charge de A à Z, et ça fera l'objet d'une nouvelle entreprise, donc d'une start-up. Et puis, je profite de cet event pour appeler d'éventuels jeunes qui auraient des idées de projet et qui auraient besoin de financement. Bon, nous, on n'est pas une banque, mais de seed capital, c'est-à-dire l'investissement initial pour développer un prototype, pour affiner son idée, etc. Je vous donnerai ma carte tout à l'heure, vous pouvez nous envoyer un email. Et on est tout à fait sérieux et je pense que c'est très important de réinvestir dans la communauté qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Rebondir, rajouter sur le. Votre question, je pense que le fait, ça vient aussi de l'équilibre, nous, en tant que start-upers ou entrepreneurs, de trouver entre servir et alimenter, nourrir et améliorer l'écosystème, mais nous, mais la contrainte de produire et générer des revenus. Donc, je pense que ça va venir, quand certains d'entre nous vont arriver à atteindre cet équilibre, comme tu le fais toi, naturellement, vous allez réinvestir dans l'écosystème. Ça, de une, de deux. Donc, pour les questions de financement, ben, je vous invite, j'avais un peu de pub pour ma mode quand même, je vous invite à aller voir Culture Funding Watch. Nous sommes en fait le seul spécialisé dans la veille et la levée de fonds pour l'entrepreneuriat dans le secteur culturel et créatif dans la région MENA. Gratuitement, maintenant, à tout moment, vous entrez sur notre plateforme, vous avez 100 opportunités disponibles. Donc, ça commence à venir. C'est-à-dire que, voilà, en revenant à l'écosystème, comme tu dis, toi, moi, je suis comme toi, je me positionne sur le service et donc les fonctions support qui soutiennent l'écosystème. Et je pense que c'est autant important que les produits. Donc, je pense que ça va venir, ça vient, c'est en train de se mettre en place. Et donc, l'écosystème est en train de s'organiser. Mais je reviens aussi à, comme vous disiez, monsieur, tout à l'heure, sur. Enfin, pas le devoir, mais on va dire l'engagement. C'est pas une obligation. Tout le monde n'est pas tenu de là-dedans, mais ceux qui sont là-dedans devraient peut-être maintenant réfléchir à comment le faire, mais de façon beaucoup plus structurée et moins
time consuming and energy consuming. Je pense qu'on a besoin de s'organiser. Donc il y a des assos qui se créent maintenant. Il y a le Tunisian Startup Association. Vous pouvez en faire partie. On commence à s'organiser. Comment entre entrepreneurs, on peut s'entraider et créer les espaces disponibles pour ça. Donc il y a aussi un effort à faire de notre côté de mieux s'organiser. D'autres... En fait, par rapport à l'intra-entrepreneuriat, donc en fait, c'est l'entrepreneuriat au sein même de l'entreprise. Hein. C'est pas encourager des projets pour sortir de l'entreprise, mais de faire développer des projets, de nouveaux projets au sein de l'entreprise. Bon, généralement, on confie un peu cet esprit aux grandes entreprises hein, pour développer un peu l'innovation, etc. On essaie de trouver certains employés qui auraient des idées, qui voudraient développer au sein même de l'entreprise. Par rapport à de jeunes startups comme la nôtre, par exemple, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de recruter, quand on recrute, c'est d'avoir des profils qui ont eu cette expérience de participer à un programme d'entrepreneuriat pour les jeunes qui ont eu une idée, qui ont essayé de développer une idée, qui ont créé un blog, un site. Donc on essaie de recruter des profils qui justement ont un peu cette fibre entrepreneuriale, surtout pour les postes de management, de coordination, d'organisation, etc. On cherche vraiment les profils qui ont un peu cette fibre, parce que justement, vous savez, dans les petites startups, chaque ressource compte, donc, et chacun de l'équipe est porteur du projet. Chaque personne de l'équipe, chaque membre de l'équipe doit être capable de le présenter, de le défendre, d'avoir des idées, de résoudre des problématiques, etc., etc. Donc on essaye de développer justement cet esprit entrepreneurial au sein même de la start-up. Voilà. Alors, bonsoir, je me présente, je m'appelle Mana Osama, je suis le cofondateur de Collab Agency. C'est une petite boîte qui fonctionne à peu près depuis, ça fait 2 ans. Donc, j'ai une petite question pour vous quatre, plus ou moins spécifique. Vous avez parlé un petit peu des auto... Disons que... Comment dire ça ? Vous avez un petit peu parlé des autodidactes. Je veux connaître votre position vis-à-vis des autodidactes en tant qu'entrepreneur. Alors, notre position vis-à-vis des autodidactes, bah, étant nous-mêmes des autodidactes, c'est un peu compliqué de juger l'autre. Par contre, ça va être sur ses compétences, en fait. Tout simplement, des compétences... sa manière de voir les choses, sa vision, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il a comme idée, est-ce qu'il est dans l'action, est-ce qu'il partage son idée, est-ce que, enfin, ça va être vraiment, on ne peut pas juger un autodidacte. Exactement, c'est vis-à-vis de ses compétences. Mais ici en Tunisie, ça peut créer des problèmes vis-à-vis de la sélection. Quand tu as un autodidacte qui est meilleur que quelqu'un qui a des diplômes. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'est une question très politique, surtout aujourd'hui, parce que en parallèle à l'ERP, il y a un vote pour ou contre les autodidactes, d'accord ? Vous comprenez sûrement de qui je parle. Mais pour moi, je pense que c'est en fait la compétence qui est la plus importante, et je vais vous donner un peu un exemple. Nous avons un stagiaire. Qui travaille, qui vient au bureau deux après-midi par semaine, qui travaille beaucoup à la maison, qui est étudiant en troisième année, mais il a une compétence technique que je n'ai pas trouvée en Tunisie. Il est capable de travailler avec un logiciel. En fait, il est le seul à travailler dessus depuis 4 ans. Aussi simple que ça. Donc, il est le plus skilled, enfin, parmi tous ceux que j'ai trouvé dans ce logiciel-là. Donc, il est payé, il a un salaire, alors qu'il est étudiant en troisième année, qui vient 2 fois par semaine, il travaille pas mal de temps chez lui. Voilà. Donc, pour vous dire que voilà, c'est la compétence qui prime, surtout dans le digital.
vous avez besoin de gens qui sont capables de résoudre vos problèmes, développer telle application, créer des choses, etc. Si tu permets, j'aimerais rajouter un truc. En fait, les meilleurs développeurs que j'ai connus sont des gens qui n'ont pas fait d'études de développement ou qui ont fait d'autres études. Moi-même, j'ai fait des études de commerce et j'étais plutôt bon en développement, en code, quoi. Donc, il y a vraiment pas de lien, de cause à effet entre avoir des diplômes et ça. Mais moi, je comprends un peu votre question par rapport à l'écosystème. C'est vrai qu'en Tunisie, il y a encore d'énormes freins à ce niveau quand vous allez déposer une demande. Quand vous allez prendre un agrément pour avoir une société de production, par exemple, on vous demande d'avoir absolument un diplôme en audiovisuel. Je connais d'excellents réalisateurs avec qui j'ai travaillé qui n'ont pas fait d'études de réalisation. D'ailleurs, la plupart des artistes dans le monde de l'audiovisuel n'ont pas fait ces études-là. Donc, il y a là une rigidité en Tunisie où on veut mettre les gens dans un cadre et le diplôme est la seule garantie de la compétence de la personne. Et c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé. Il y a d'autres choses qui ont changé et ça mériterait à être débattu et à changer. Il y a beaucoup de demandes. Si vous allez à la BTS ou à la BFPME, etc., on exige d'abord le diplôme. Ça doit être absolument dans cette spécialité-là. C'est pas une question de niveau d'études. C'est même pas une question de niveau d'études. Si vous faites un projet dans l'agriculture et vous n'êtes pas agronome, vous aurez beaucoup de mal à avoir des financements. Et ça, c'est inacceptable parce qu'aujourd'hui, le monde, il est transversal, les compétences sont transversales. Il y a beaucoup de moyens d'acquérir les compétences et le savoir, pas que les diplômes. Je ne dis pas que les diplômes sont mauvais, mais ils sont très certainement insuffisants. Merci. Je vais rajouter un point, plutôt deux. C'est par rapport à l'administration. Quand aujourd'hui on veut avoir une carte technologique, quand on est une société, on nous demande un diplôme en marketing. Sans diplôme en marketing, pas de carte technologique. Pour en avoir une privée, il faut avoir le bac. Alors ça, c'est, pour moi, ça reste une aberration. Après, j'espère qu'avec le Startup Act, ça va changer et que les choses évolueront. Mais je ne pense pas que le diplôme ait réellement autant d'importance que ça. Moi, ma première société dans le e-commerce, j'avais une équipe de 12 personnes. On travaillait tous exclusivement dans le e-commerce. On avait zéro compétence issue du e-commerce, du digital. Moi, dans le marketing, j'avais des financiers, j'avais des ingénieurs agronomes. Mon commercial était développeur. Donc, au fait, j'étais plus à la recherche de la compétence, du savoir-faire et des connaissances que du diplôme. Et aujourd'hui, il faut être honnête aussi par rapport aux diplômes tunisiens, aux études en Tunisie. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas top. On n'est pas top. La preuve, on est là. Non, mais je ne dis pas que, franchement, moi je crois qu'on est tous dans le même cas. En tant qu'entrepreneur, on a des équipes, on recrute. Et je ne connais pas un seul entrepreneur qui ne galère pas sur le recrutement. Ouais. Le recrutement, ça vient d'où? Ça vient du diplôme? Ça vient des études? Non, est plus importante que l'offre. C'est là, il est là le problème. Le marché, il est twisted, mais c'est pas que les compétences n'existent pas. Enfin, moi, je vais vous donner deux cas de figure. Mes deux dernières expériences, à chaque fois que j'ai entamé une phase de recrutement, que ce soit que ce soit dans le e-commerce ou dans le marketing, sur une centaine de CV, je recevais une centaine de CV. Sur les 100 CV, j'en avais peut-être 10 qui valaient plus ou moins la peine. Et ce n'est pas par rapport au diplôme, c'était par rapport au contenu même du CV, à la façon de présenter le CV. Aussi, mais ça vient aussi des études. C'est des choses qu'on apprend pendant les études, qu'on devrait apprendre pendant les études. Après, sur ces 10 personnes, j'en avais, si j'ai de la chance, 2 qui se présentaient. Sur ces 2, en recrutant une, limite à défaut d'autre chose, si j'ai de la chance, elle va venir travailler le premier jour. Et je peux vous citer des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs qui
qui sont en manque d'effectifs et qui ne trouvent pas les profils. Aujourd'hui, oui, les études, c'est important. Oui, vous allez me dire que le niveau éducatif en Tunisie est top. Non, il n'est pas top. Il est à améliorer, pour être gentil. Vraiment à améliorer. Bonjour. Bon, enfin, c'est un peu compliqué de parler avec vous, les experts, quoi, pour commencer. Bon, enfin, parce que à peine je maîtrise la langue, le français déjà. Et enfin, je suis ni ingénieur, ni expert, ni bon, je connais pas la langue, disons de voilà, le Java et ce truc, moi, je connais pas. Bon, j'ai voulu juste vous dire merci pour ce que vous êtes en train de faire, parce que j'ai appris beaucoup de choses que moi je connais pas. Enfin, je vous comprends ce que vous êtes en train de dire, mais enfin, je ne suis pas expert, voilà. Bon, je voulais dire aussi que grâce à des idées comme vos idées là, moi, je fais de la commerce électronique, je vends plus de 17 produits sur Internet. Je gagne au minimum 100, 120 dinars par jour ou bien 70 dinars. Pour un jeune chômeur comme moi, ça veut dire que j'ai créé le job. Bon, bravo. Bon, enfin, grâce à des idées comme vos idées là de marketing sur Internet et tout ça, et site Internet, et vos idées de trucs intelligents que moi je ne connais pas. voilà, il y a trois personnes qui travaillent avec moi. J'ai créé l'emploi pour des autres personnes. J'ai devenu un homme riche, malgré que je ne donne pas l'air d'être riche. Hein. Voilà, j'ai un stock d'argent parce que voilà, je commercialise mes produits en cash. Je ne connais pas les trucs de paiement électronique. Moi, je fais voilà. Voilà. Okay. Et ça veut dire que ici en Tunisie, laissez-moi terminer. Ici en Tunisie, on a besoin des experts comme vous qui sont très intelligents pour créer des emplois pour des gens comme moi. Voilà. Alors merci beaucoup. Voilà. D'abord, les experts, c'est une série qui passe sur TF1. Nous, on est experts en absolument rien du tout. On partage une expérience, il y en a d'autres. Il y a la vôtre qui est extrêmement intéressante et qui me permet de rebondir sur tous les gens qui travaillent sur Facebook aujourd'hui, qui vendent beaucoup de choses, qui offrent des formations, qui livrent, qui sont payés en cash, qui sont considérés en Tunisie malheureusement comme de l'informel, alors que c'est en réalité les meilleurs parmi les entrepreneurs, parce qu'ils ne dépendent d'absolument personne, ils sont réellement libres, ils sont réellement créatifs, ils trouvent des solutions là où d'autres voient des problèmes. Donc moi je vous dis bravo et à tous les gens qui bossent avec vous, et moi en tant qu'agence de com, il m'arrive très souvent de travailler avec des marketeurs qui sur Facebook et sur les réseaux sociaux, et donc on est absolument expert en rien du tout, et j'apprends énormément tous les jours des gens qui travaillent tout seuls, hors système. Voilà. En fait, vous faites plus de chiffres d'affaires que moi. Ouais. D'accord. Donc c'est vous l'expert, c'est vous qui devriez être là et moi être là-bas. Donc moi, je partage une expérience. Voilà, c'est tout. Méchante, mais je ne juge pas votre approche, mais je suis pas très d'accord avec toi sur le 100% de l'informel, parce que quand on parle d'écosystème et soutenir l'écosystème, il faut le financer, l'écosystème. Et donc, si on est un hors système et on contribue pas au système, comment on voudrait prétendre pour profiter du système? Donc, enfin, je pense qu'il va falloir trouver, sans pour autant chercher à formaliser l'informel, mais que l'informel soit aussi conscient qu'il prend sans donner. Et là, pour que le game tienne la route, il faudra que savoir donner autant que prendre. Ça n'engage que moi. Vous comprenez, madame? Maintenant, est-ce que je suis accusé? Je ne vous comprends pas, madame. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Regardez, madame. Bon, je vous explique. Moi, je n'ai ni de carnet pour prendre. Tenez votre micro. Moi, je ne paye pas ni d'impôts, ni rien de tout. Le système ne me connaît pas. Je suis invisible. Ça me plaît comme ça. Moi, je veux rien du tout du gouvernement. Oui. On a très, très bien compris. On a très, très bien compris. Mais. Le gouvernement, madame, ou bien le système, qu'est-ce qu'elle m'a donné, moi? Moi, je ne donne rien de tout. Non, ne vous énervez pas. Attention, là, on est dans un débat. Donc, ne m'agressez pas, s'il vous plaît. Voilà. Mais chacun a son point de vue. Donc, on a entendu le vôtre. J'ai un peu le droit d'exprimer le mien. Attendez, on rentre. Non, oui. D'accord. On a très, très bien compris. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole?
Je crois qu'on ne pourra pas là-dessus. Donc, je remercie encore une fois les quatre intervenants. Merci beaucoup pour votre présence, votre temps et l'ouverture d'esprit et pour partager avec nous notre expérience. Je remercie tous ceux qui sont là, qui nous ont écoutés patiemment et je pense avec beaucoup d'indulgence. Merci beaucoup. Et j'espère que ça a été utile pour tout le monde. Merci à l'IFT de nous avoir accueillis, de nous avoir donné l'opportunité de cette tribune. Je pense que Hassan, tu voulais prendre la parole ? Oui, oui. Moi, je suis très reconnaissant pour cette invitation. Je remercie évidemment l'IFT. Je remercie en particulier Inès Toumi et Yassine Hamrouni, ici présents, qui ont permis à ce que ce débat ait lieu. Et puis voilà. Merci. Bah oui, merci. Merci beaucoup, Yassine et Inès. Oui, voilà. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir, je veux dire, de la manière la plus naturelle, accepté de venir parler de vos expériences. Je pense que c'est très, très important pour moi. Et c'est très important pour moi aussi le fait que vous soyez rencontrés tous les quatre. Je ne sais pas si vous connaissiez au départ. Mais voilà, ça aussi, c'est pour moi, c'est très, très important. Et le fait de vous voir là, ensemble, ça me rassure au plus haut point. Voilà. Et je voulais particulièrement remercier Hassan et Info Challenge pour le streaming, pour la diffusion streaming, parce que cette rencontre-là, elle est diffusée avec plusieurs caméras que vous voyez là. Elle est diffusée en streaming sur le site de l'IFT et sur Internet, donc ça donne une visibilité. Voilà, encore une fois, la visibilité. Non, on ne va pas rouvrir le débat. Voilà, je tenais à le dire. Vraiment, merci beaucoup. Il faut les applaudir, hein, quand même. Voilà, donc le mois de novembre numérique, c'est ça, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer très, très prochainement. Et puis voilà, si vous avez un petit mot à dire pour la fin, pour clore le débat. Alors moi, j'ai eu le plaisir, donc, pour répondre à ta question déjà, de rencontrer ces charmantes personnes. On a eu une réunion de travail avec Chélie, que je ne connaissais pas avant, donc que j'ai rencontré grâce au novembre numérique. Et on va certainement collaborer ensemble sur pas mal de choses, parce qu'en fait, on est assez complémentaires. Donc ça c'est une première bonne nouvelle. Je crois qu'il y a une deuxième bonne nouvelle au fond de la salle là-bas avec le produit de la mer. Donc voilà, c'est ça. Donc merci infiniment à tous. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez un dernier mot, un petit mot ? Moi, je vais tous vous remercier. Je remercie les spectateurs, les live streamers. Et puis, mes collègues, je pense que l'entrepreneuriat est quelque chose de très important aujourd'hui en Tunisie. C'est l'avenir. Le digital, c'est clairement l'avenir. Et c'est le présent, voilà. Et j'adore ce 21e siècle. J'adore ce que ça va donner. Et je vois les choses évoluer. Et science-fiction, pensez science-fiction. On y est. Grâce à vous, grâce à nous sur le marketing et la vente. Mais... l'avenir, c'est le digital, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, lancez-vous, n'ayez pas peur, ne voyez pas petit, gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre, ça c'est important. Mais n'hésitez pas à voir grand. Et en Tunisie, on est capable de faire d'énormes choses, de très belles choses. Il suffit de le vouloir. Voilà, merci beaucoup. Simon, en fait... Comme monsieur m'a mis dans une position d'expert, je ne suis pas du tout expert, mais je vais quand même donner un tout petit conseil de quelqu'un qui a passé plusieurs années à faire pas mal de choses dans l'entrepreneuriat, avec beaucoup du succès, des échecs, etc. La dernière chose que je voudrais dire à ceux qui sont tentés par cette aventure, c'est justement le mot aventure. C'est une aventure, c'est un jeu. Il ne faut surtout pas prendre ça trop au sérieux. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et puis voilà, amusez-vous. Merci. Bon ben, merci à tous. Bonne soirée. Il faut m'aider, je suis trop petite. Ce genre de chaise.